Et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler boxe beauté. Alors écoutez, si vous passez par hasard sur cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, mais que vous aimez découvrir des box, donc principalement beauté, mais également bougies, bijoux, sport, gourmandise, j'ai envie de vous dire que clairement vous êtes tombé au bon endroit. Donc n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre en vous abonnant et en activant les petites alertes. C'est gratuit, sans engagement, ça vous permettra juste de ne pas louper mes prochaines vidéos. Donc ça, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt pas mal. Sachant que je vous présente également beaucoup de calendriers de l'Avent sur ma chaîne. Ma série a d'ailleurs déjà commencé. Si vous l'avez manqué, je vous la remettrai dans le petit i juste ici. Et puis, il y en a encore d'autres à venir. Donc vraiment, si vous ne voulez pas louper mes vidéos, n'hésitez pas à nous rejoindre et à activer les petites alertes. Mais pour en revenir à la box du jour, il s'agit de la très jolie My Little Box. Donc elle est arrivée dans un très joli pochon ce mois-ci. J'ai vu que le carton avait une forme un petit peu inhabituelle. Donc ça m'a intriguée. Alors je vous avoue que j'ai un petit peu regardé les produits qu'il y avait à l'intérieur. Puisqu'elle est arrivée maintenant, bah là on est le 21 au moment où je vous tourne la vidéo. Et ma box a dû arriver il y a 2-3 jours à peu près. Je vous avoue que je n'ai pas eu le temps de filmer parce que les enfants sont en vacances. Donc du coup pour moi c'est un petit peu plus compliqué de filmer en journée. Parce qu'avec 3 enfants à la maison, clairement, vous alliez plus les entendre que moi sur la vidéo. Donc c'est vraiment compliqué. Donc là par exemple je tourne... le soir, voilà, tout simplement. Et pour vous dire, moi qui me disais, ouais, j'ai rattrapé mon retard, nanani, nanana, j'ai juste 11 box. Voilà, donc tout va bien. Donc pas que pour ma chaîne, hein, puisque j'en ai 2, 4, 5 pour la chaîne des box également. Si vous ne me suivez pas d'ailleurs sur la chaîne des box, n'hésitez pas à le faire. Je vous présente pas mal de box là-bas, sachant que là, il y en a une petite nouvelle que j'ai trop hâte de vous présenter. Donc voilà, je n'en dis pas plus. N'hésitez pas à me retrouver là-bas. Donc pour en revenir à la My Little Box, je vais vous la présenter donc succinctement hein, pour les personnes qui ne la connaîtraient pas encore. Donc c'est une box beauté lifestyle que vous allez pouvoir recevoir tous les mois. Elle coûte 17,90€ et à ce tarif là elle est sans engagement. À l'intérieur on va pouvoir retrouver minimum 5 produits, 2 goodies et 3 produits de beauté. Vous avez également la possibilité de prendre les extras, donc par contre je n'ai plus le tarif, si, pour 4,90€ de plus très exactement. Vous pourrez prendre les extras et là en gros ça vous offre la livraison en colissimo et en même temps vous allez recevoir des petites choses en plus par rapport aux abonnés classiques, j'ai envie de dire. Il faut savoir qu'il y a un système de parrainage pour cette box, donc qui vous offre 3€ sur votre première box, qui n'est pas négligeable. Je vous laisserai d'ailleurs tous mes liens comme d'habitude en description de vidéo, donc vraiment n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Enfin voilà, vous y retrouvez tous mes liens de parrainage et puis également enfin voilà, les liens vers mon compte Vinted, vers la chaîne des box, etc. Enfin bref, vous avez tout en description de vidéo, donc si vous êtes curieux et curieuse, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Si vous utilisez Joko, donc c'est... Joko c'est un genre de site de cashback mais que j'utilise pas trop. J'avais voulu le prendre juste parce que j'ai vu qu'il y avait 2000 points à chaque commande qu'on faisait sur My Little Box, donc... Mais je vous avoue que j'ai arrêté d'utiliser puisqu'il n'y a pas trop de cashback en fait avec la My Little Box. Il n'y en a pas en tous les cas, par exemple avec Igral et Poulpeo que moi j'utilise très régulièrement. J'ai également regardé avec eBay Club que j'utilise de temps en temps. Mais j'ai pas trouvé de cashback. Par contre apparemment on vous offre 2000 points avec Joko si vous utilisez. Donc je vous donne l'info. J'allais oublier de vous dire également qu'avec cette box on remplit un profil beauté. C'est donc pour ça qu'il y a pas mal de versions, donc on n'a pas forcément toute la même chose. Il y a des mois où on va recevoir sensiblement la même chose puisqu'ils font une box un petit peu à thème. Je me demande si ce sera pas le cas d'ailleurs pour celle-ci, mais il y a toujours quand même un produit ou deux qui vont différer, on va dire, en fonction de notre profil beauté. Donc il y a énormément de versions également pour cette box, donc... vous allez regarder ma vidéo et peut-être que du coup vous n'aurez pas reçu la même chose que moi si vous y êtes abonné. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aurez reçu, ça m'intéresse. Pour en revenir du coup à celle de ce mois-ci, donc comme je vous l'ai dit, elle arrive dans un très joli pochon. Comme vous le savez, si vous me suivez maintenant depuis un petit moment, depuis le Covid, etc., les cartons sont bannis de l'intérieur de ma maison. Donc du coup, je vous ai juste décollé ceci qui était collé du coup dans le carton.
puisque ça annonce un petit peu le thème, je pense, de la boxe. Donc du coup, je me suis dit que c'était quand même intéressant de vous le lire. Il est écrit « Sous ces rubans se planque la douceur d'un matin d'automne. Calez-vous tout contre une fenêtre, préparez une tasse de thé, enfilez des chaussettes douillettes et tirez le fil. » Voilà, donc je me suis dit que c'était peut-être mignon de pouvoir vous lire un petit peu ce qu'il y avait écrit sur le carton. Donc ça, c'était collé sur le haut, voilà, du carton. Voilà, c'était comme ça. Et donc, après, une fois qu'on avait ouvert notre carton, on pouvait donc découvrir ce très joli pochon. Donc voilà, en coton recyclé et recyclable. Donc ça, je trouve que c'est une très bonne démarche. Donc il est écrit, ce pochon douillet contient des hibernations douces, des feuilles dorées, des rêves sépia, des envies de romans, des inspirations romantiques. Voilà, donc il est assez gros quand même, hein. Vous voyez, si je le mets à côté de ma tête, c'est pas un petit pochon. Il est pas hyper lourd par contre, donc à voir ce qu'il y a à l'intérieur. Sachant que moi je suis abonnée aux extras, donc je pense que j'aurai un produit en plus par rapport à vous si du coup vous n'êtes pas abonnée aux extras. Donc déjà j'attrape également une très jolie carte qui est donc illustrée par Kanako, hein. C'est du coup l'artiste qui illustre toutes les box My Little Box. Et là du coup il nous est écrit Nixen, donc du coup nom masculin du verbe néerlandais Nixen. Se dit de l'art de musarder, de glisser sur les heures, de vagabonder par l'esprit, voire aussi ne rien faire. Donc voilà un petit peu l'illustration. Donc toujours très jolie, hein, les illustrations de Kanako de toute façon sont toujours très 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 jolies. Moi j'adore les illustrations sur les My Little Box. Et puis bah là clairement voilà, on voit les feuilles qui volent, je sais pas si vous avez vu, je vous rapproche. Voilà un petit peu ce qu'on peut voir et du coup c'est clairement une journée d'automne comme ça. On se pose avec un plaid et tout, sa tasse de thé ou de café, peu importe. Et puis voilà, on regarde un petit peu par la fenêtre, on se repose et tout. C'est clairement ça. Du coup, premier produit que j'attrape, c'est de la marque Dior, donc en collaboration avec My Little Box. Ils me mettent ce que vous tenez entre les mains, c'est le nouveau J'adore Eau de Parfum Infinissime. Essayez-le au creux du poignet et laissez-vous envoûter à chaque geste. Donc ça, je pense que c'est l'extra. Voilà comment ça se présente. Donc oui, c'est très joli. Voilà. Et donc quand on l'ouvre, voilà, ça se présente comme ceci. Et donc on arrive sur un échantillon donc du parfum J'adore, qui ma foi a l'air de sentir plutôt bon. Et puis ils nous mettent « L'infini n'est pas une limite, se débarrasser de ses doutes, dépasser le statu quo, ne pas se satisfaire du parfait, l'emporter plus loin encore et laisser une trace. J'adore l'eau de parfum infinissime, c'est la rencontre d'une fleur blanche au parfum affirmé, la tubéreuse de grâce et d'un parfum iconique. Son sillage, c'est une signature apportée à l'infini et au-delà. » Vers l'infini et au-delà, ça me rappelle un peu Buzz l'éclair. Rien à voir, bref. Passons, je n'ai rien dit. Et là donc il est écrit, détachez ce coupon, il a de quoi surprendre. Et qu'est-ce que c'est? Ok, pour tout achat d'un produit de la gamme J'adore, une palette maquillage Dior format voyage vous attend exclusivement chez Sephora. C'est de la magie où on ne s'y connaît pas. Donc c'est valable du 5 octobre au 15 novembre, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc en boutique ou alors avec le code... Ou alors avec le code infinissime. Donc ça c'est pas mal, je vous le remettrai de toute façon. Mais si jamais, voilà. Je vous rapproche un peu. Donc ça c'est plutôt cool. Bon bah écoutez, je vous laisserai le code parce que clairement je n'irai pas craquer chez Sephora. Je me demande si c'était pas l'extra. Mais du coup je trouve que c'est un petit peu limite de nous mettre un échantillon de parfum en extra. On verra. Ensuite, qu'est-ce que j'attrape? Pierre qui roule, amasse peau douce. Ok, c'est mignon. Donc ça, je pense que c'est le produit My Little Box. Oh. Je viens de voir ce que c'était. Donc voilà comment ça se présente. Par contre, c'est très joli. On a des petits tutos au dos. Enfin voilà, il y a vraiment de très très jolis détails. Et oui, c'est le produit My Little Box. Donc c'est très quali, c'est très lourd. Ça arrive dans un très bien protégé, dans un joli petit écrin. Il y a écrit My Little Box juste ici.
Et donc, comme vous l'aurez vu, c'est un roller pierre de jade. Donc, je ne vais pas me répéter à l'infini, hein, mais j'en ai plein chez moi. Donc clairement, je ne le conserverai pas. Donc, je vous le montre d'un petit peu plus près. Je l'ai sorti de son écrin, mais on voit qu'il est vraiment de très bonne qualité. Le produit est déjà très lourd. Je ne sais pas si vous verrez ici, mais il y a également des petits liens, des petits joints. Enfin, je ne sais pas trop comment vous dire ça, mais en plastique. Et du coup, ça permet vraiment aux tiges de bien tenir. Donc non, on voit que c'est quand même pas mal quali. Donc de ce côté-là, rien à redire. C'est juste que voilà, il se passe le mot, j'ai l'impression, un petit peu dans les box françaises. C'est un petit peu ça que je reproche en fait, parce que j'ai l'impression qu'il se passe tous le mot. Soit un mois, on va recevoir dans plusieurs box différentes la même marque, ou alors le même produit. Enfin voilà, parce que là, les rollers pierre de jade, je crois que c'est le troisième qu'on reçoit en un mois ou deux. Je trouve quand même que ça fait un peu beaucoup. Bref, donc un roller pierre de jade. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que au dos, si vous n'en avez pas chez vous, si vous n'en avez jamais utilisé, vous avez un petit tuto pour vous expliquer comment ça fonctionne. Et ça, je trouve vraiment que c'est pas mal pour voilà, les personnes qui ne sont pas habituées, etc. Donc ça, c'est plutôt bien. Voilà. Donc écoutez, premier produit... Sur le principe, c'est très bien pour les personnes qui n'en ont pas. Après, là, je trouve vraiment qu'on en a reçu... on en a quand même vraiment reçu pas mal en peu de temps. Et ça, je trouve par contre que c'est dommage. Deuxième produit que j'attrape, c'est de la marque Shaeri. C'est un soin intense pour les cheveux à la figue de Barbarie Bio. On a un format de 70 ml. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ils me mettent ce soin à l'huile de figue de Barbarie Bio, nourrit et régénère les cheveux secs, abîmés, décolorés, bouclés et frisés. Il peut s'utiliser comme un démêlant, un pré-shampoing ou un masque. Appliquer avant ou après le shampoing sur cheveux humides, démêler les longueurs, laisser poser entre une et 10 minutes. Voilà, vous avez le choix, hein. Selon la nature et les besoins des cheveux, puis rincer abondamment. Écoutez, ça c'est pas mal. Moi j'ai quand même là du coup les cheveux décolorés, donc ça pourra leur faire du bien. Sachant que 98% des ingrédients sont d'origine naturelle, donc ça c'est vraiment top. Voilà du coup comment se présente le produit. Donc j'ai déjà eu l'occasion d'en recevoir, je crois que c'était dans une Birchbox, la marque Shaeri. Alors est-ce que c'est operculé? Oui. Ah, c'est operculé, mais ça sent à travers. Ça sent très bon. Donc ça, clairement, j'ai vraiment hâte de l'utiliser. J'avais bien aimé le dernier produit que j'avais reçu. Donc, ce sera vraiment testé avec grand plaisir. Donc là, j'attrape plein de petits produits. Donc, j'attrape déjà un masque Sephora en tissu pour les yeux à la caféine. 91% des ingrédients sont d'origine naturelle. Donc, en gros, on a une paire de pads à mettre sous les yeux. Bon, écoutez, ouais, ça, c'est pas mal. Alors, je me demande si c'était pas ça, en fait, l'extra. Je pense que j'ai deux petits extras, là. Et je me suis peut-être trompée pour la miniature de parfum. C'était juste un petit truc en plus. J'ai peut-être été mauvaise langue. Donc, voilà, du coup, de la marque Sephora, donc les petits pads. Et du coup, j'ai un autre petit format d'un produit Sephora. Donc, c'est le Super Sérum Éclat. Donc, j'ai 8 ml. 97% des ingrédients sont d'origine naturelle. Donc, voilà. Ils mettent que c'était appliqué tous les matins sur une peau propre et sèche, sur l'ensemble du visage et du cou. Voilà, donc je pense que c'est un petit sérum qui va tout simplement apporter de l'éclat. Voilà. Et ben je me demande du coup si c'était pas ça, les petits extras. Donc du coup, plutôt sympa. J'attrape ensuite de la marque Kat Von D, enfin KVD, Vegan Beauty. C'est donc une poudre translucide. On a une petite miniature de 1,4 g. Donc voilà, c'est tout simplement la petite poudre fixatrice. Donc ça, écoutez, je suis assez contente de le recevoir. Voilà comment ça se présente. Donc elle est clairement translucide. Et ça, ça sera très très clairement utilisé. Donc moi, je suis contente. Très contente de recevoir ce produit. En plus, moi, vous le savez, les petits formats, j'aime bien. Ça s'utilise facilement et vite. Donc c'est top. Et il me reste donc un énorme produit au fond du pochon. Il est écrit le parfum des doux matins.
Donc ça, je pense que c'est une collab puisque c'est un petit peu à l'image du coup du produit My Little Box. Et ils me mettent le parfum des doux matins, bougie parfumée à la vanille. Donc ça, c'est top. Les petites flammes d'automne vous offrent une saison plus douce. C'est démontré par nous. Allumez votre bougie et laissez son parfum de vanille se répandre dans la pièce. Inspirez, expirez, vous avez le feu sacré. Trop bien. Et c'est donc également écrit, pardon, en allemand. Donc voilà la boîte, donc très très grande boîte, très jolie. Donc bien protégée, hein, puisqu'on avait ça au-dessus. Ok, oui, donc je vais prendre ça délicatement. Elle m'a l'air de casser cette bougie, mais vous voyez, c'est très bien emballé. C'était arrivé comme ceci, donc il y a du papier bulle, tout, ça protège très très. Enfin, c'est très très bien protégé. Oui, donc ça casse. Faites attention au petit couvercle. Donc il y a déjà une grosse protection comme ça en polystyrène. Et vous avez encore du papier bulle. Donc. Franchement, si votre produit arrivait cassé, hein, enfin comme je le dis souvent, c'est un petit peu que les livreurs ont joué au foot avec vos colis, mais des fois on se demande ce qu'ils font avec, hein, mais bref. Donc voilà du coup ce que ça donne. Donc effectivement, hein, c'est écrit My Little Box. Donc c'est très très joli. Sachant que du coup, j'ai envie de vous dire, une fois que la bougie est brûlée, vous pourrez vous en servir de ces petites choses pour ranger. Bah voilà, pour ranger des choses ou pourquoi pas. Ça pourrait également faire un joli cendrier d'extérieur, ça. Pour les fumeuses. Non mais voilà, je me dis avec le petit couvercle comme ça peut faire un joli cendrier d'extérieur. Ou alors, ben, pour ranger des bijoux, pour ranger, ben, je ne sais pas, même stocker des choses à l'intérieur. Ah, la bougie sent super bon. Donc c'est une vanille sucrée. Alors, je dirais pas bonbon, mais un petit peu vanille gâteau comme ça. Ça sent vraiment très très bon. Donc voilà la bougie. Clairement, ça va brûler très très rapidement chez moi. Sachant que je vous spoil un peu pour les prochaines vidéos, mais j'ai également reçu ma box Yankee Candle. Donc je vais te servir en bougie. Oh, mais ça sent trop bon. J'adore les bougies. Donc clairement, ça j'ai envie de vous dire que c'était un produit top 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 pour moi. Du coup, j'en ai terminé avec la présentation de ma My Little Box. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire si vous avez reçu la même chose que moi. Est-ce que ce mois-ci, c'est une box un petit peu, comme je vous le disais, à thème et du coup, on reçoit toute la même chose ou pas. Donc, n'hésitez vraiment pas à me le dire, ça m'intéresse. En tous les cas, je suis plutôt ravie de ce que j'ai reçu. J'ai juste un petit peu de mal à voir. Quels sont les extraits, quels sont les produits? Donc clairement, ça c'était le goodies, c'est sûr. La bougie, donc je suis ravie, elle sent divinement bon. Le rouleau pierre de jade, du coup, je pense que c'était le produit My Little Box. Donc je pense que c'est compté du coup dans les produits de beauté, même si c'est plutôt un accessoire. Ça, c'est un produit de beauté, c'est clair, c'est sûr. Le produit Shaerie, donc que je suis également ravie de retrouver, hein, un masque pour les cheveux, top pour moi. Et c'est après que ça devient un peu flou. Ça, c'est le produit My Little Box. Du coup, on n'aurait pas eu de produit My Little Beauty. Donc, je pense que ça remplacerait et qu'on serait déjà à deux produits de beauté. Je ne sais pas. En même temps, on est censé avoir deux goodies également. Je suis perdue. Je suis perdue avec cette box. Donc, si par contre, les deux goodies, c'est la bougie et le roller pierre de jade, je suis un peu perdue au niveau des produits. Parce que du coup, j'ai reçu ça. Donc, le produit Shaerie, la petite poudre KVD Vegan Beauty, une miniature d'un sérum Sephora, un masque pour les yeux Sephora et une miniature du parfum J'adore. Alors, est-ce que du coup ces quatre produits-là seraient les produits de beauté et que ça, ce serait l'extra? Je suis un peu perdue là. Si vous savez, parce que je vous avoue que j'ai pas trop trop regardé ce que serait l'extra, etc. Je ne sais pas si vous avez suivi. N'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire parce que là, je suis un peu paumée. Alors, je suis contente de ce que j'ai eu, hein, je ne veux pas me plaindre du tout. C'est juste que j'arrive pas à voir. Quel est l'extra? Quels sont les produits de beauté? Etc. Donc n'hésitez vraiment pas à m'éclairer en commentaire si vous savez. Mais là, ouais, je suis un peu perdue. Mais en tous les cas, je suis contente de ce que j'ai reçu. Voilà. Des pads pour les yeux, j'adore. La poudre fixatrice KVD Vegan Beauty, je vais pouvoir tester. Je suis contente. Un petit sérum, c'est un petit format, ça va aller vite. C'est très bien pour le tester. Ça, bah, vous le savez, ça finit dans mes colis Vinted. Et puis ça, par contre, je suis ravie de le tester. Hein. Le soin de la marque Shaerie, ravie. Donc
Voilà du coup pour la My Little Box du mois d'octobre. N'hésitez pas à me dire, comme je vous l'ai dit, ce que vous avez reçu, si vous savez un petit peu ce qu'est l'extra là au milieu, éclairez-moi, ça me fera plaisir. Et puis voilà, si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez vraiment pas à vous abonner et à activer les petites alertes. D'habitude, mes vidéos sont un peu moins brouillons que ça, hein, parce que là, je suis un peu perdue au niveau des produits. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous rejoindre, comme ça, je pourrai vous le confirmer. Et puis moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une magnifique journée, vous faire de gros gros bisous et vous dire à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye !